La compagnie Les Arroseurs ont posé leurs valises pour un plein air déambulatoire dans le centre-ville de Villeneuve-les-Avignon. Les étranges silhouettes blanches dans les rues ont fait leur effet. Dans les bistrots, on s'est posé la question, même si certains ont évoqué la tonte des 20 000 femmes en place publique, plus de 75 ans après le passé ressurgit avec les tondus, interroge notre histoire, réinvente le présent sur les cendres de la guerre pour ceux qui voudraient encore baisser leurs yeux. Petit-fils de tondu, tu sais, depuis toujours, tu m'as jamais rien dit, et d'un coup, tu me balances à l'aide, et tu crois que mon... Et maman, qu'est-ce qu'elle en dit ? Bah, vous êtes là, la fumée froid aujourd'hui, je pense. Vous êtes qui ? Bah, c'est qui vous regarde ? Je regarde ce que j'appelle à vos histoires, vos secrets de famille, vos amis d'enfance, vos grands-mères, vos tondus. C'est nous tous qui avons hérité de la valise. Alors, si vous vous mettez à parler météo et que le silence finit par l'emporter, on en fait quoi, nous? Attends, mais de quel silence tu parles, là? Tu trouves que moi, je suis silencieuse? Ah non, toi, t'es pas silencieuse, sois sûre. Hein. Non, mais Marc, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Mais comment ça marche? Mais comment vous connaissez mon prénom? Y'a personne qui me connaît, ici. J'y crois pas, je... Mais je vous connais pas et vous m'appelez Marc. Des pages et des pages qui se taisent, qui racontent comment le bleu, blanc, rouge a retrouvé sa fierté à coups de ciseaux et de rumeurs. Renaud ! C'était tout cela dans la foule. Les enfants. Les femmes. Le maire. Les hommes. Les collabos. Le préfet. Le curé. Les résistants. Les riches. Les flics. Les pauvres. Les paysans. Les lavandières. L'instituteur. Les ouvrières. Les éconniers. Les miliciens. Les serveuses. Le notaire. Les voisins. Les fucelles. Les médecins. Les peuples. Les indiens. Les ouvriers. No.